Bonjour, l'objet de cette leçon est d'apprendre à diviser un nombre par 2. Pour ce faire, nous allons partir de l'exemple suivant et nous allons diviser 4568 par 2. Pour ce faire, nous allons décomposer le premier terme. Ainsi, 4568 est égal à 4000 plus 500 plus 60 plus 8. Et nous allons diviser chacun de ces éléments successivement par 2. Ainsi, 4000 divisé par 2 est égal à 2, 500 divisé par 2 est égal à 250, par conséquent, 2000 plus 250 est égal à 2250, puis nous continuons, 60 divisé par 2 est égal à 30, 8 divisé par 2 est égal à 4, 30 plus 4 égale 34, et par conséquent, 2250 plus 34 nous donne le résultat, à savoir 2284. Réappliquons cette même méthode sur un deuxième exemple et divisons cette fois-ci 17359 par 2. Nous obtenons, en décomposant le premier terme, 17000 divisé par 2, c'est-à-dire 8500, 300 divisé par 2, 150, 8500 plus 150 est égal à 8650, puis 50 divisé par 2 égale 25, et 9 divisé par 2 est égal à 4,5, 25 plus 4,5 est égal à 29,5. Par conséquent, le résultat sera égal à 8650 plus 29,5, c'est-à-dire 8679,5. Vous pouvez vous entraîner à partir des exemples suivants. Je vous suggère, après chaque énoncé, de mettre la vidéo en pause afin de faire vous-même le calcul mentalement avant d'obtenir la solution. 512 divisé par 2 égale 256. 987 divisé par 2 égale 493,50. 1535 divisé par 2 égale 767,50. 6879 divisé par 2 égale 3439,50. 11542 divisé par 2 égale 5771. 16892 divisé par 2 égale 8446. 35874 divisé par 2 égale 17937. 65073 divisé par 2 égale 32536,50. 105671 divisé par 2 égale 52835,50.